une star, d'ailleurs n'est pas forcément une icône, et nous allons peut-être nous permettre cette transition, faire une transversale et se diriger vers Cyrielle. Donc Cyrielle Claire qui nous a rejointe aujourd'hui, que nous avons vu donc sur scène il y a quelques semaines dans Marlène is back, donc une pièce mise en scène par Georges Chambre et produite par Pierre Cardin, je crois qui est un de vos fidèles admirateurs, qui vous a plusieurs fois donné son écrin, l'espace Cardin. Oui, absolument, j'ai eu le bonheur de jouer à plusieurs reprises ce personnage que je connaissais très peu, Marlène Dietrich. Je la connaissais d'une façon superficielle, comme beaucoup d'entre nous, à travers ses films glamoureusement kitsch, comme je les appelle. Et puis, j'ai découvert une femme absolument fascinante. Alors, le rapport de Marlène à la séduction. J'ai essayé, moi, dans ce spectacle et dans mon approche de Marlène Dietrich, de rester au plus proche de sa vérité. Donc je me suis beaucoup documentée, j'ai essayé de lire entre les lignes, et j'ai essayé de ressentir, de repositionner les choses dans son époque, avec toutes les circonstances. Et ce qu'il en ressort, c'est que c'est une femme d'abord très intelligente. Et ça, c'est une chose que j'ai remarquée avec toutes celles dont on vient de parler auparavant. Je crois que l'intelligence n'est pas dissociable d'une vraie séduction totale. Voilà. Il faut le corps, mais il faut l'esprit. Voilà. Alors Marlène, bien sûr, soignait son image énormément. D'ailleurs, c'est elle qui a fabriqué cette face de Dietrich, comme on dit, aidée par Joseph von Sternberg, qui était un metteur en scène de génie. Mais alors, comment séduisait-elle les hommes? D'abord, elle dit une chose... il n'y avait, je la cite là, « Anyone who was seduced wanted to be seduced ». Ça veut dire que tous ceux qui ont été séduits, c'est parce qu'ils voulaient être séduits. Et chez Marlène, je ne pense pas qu'il y avait cette recherche du pouvoir. C'était autre chose, parce que la séduction pour le pouvoir ou l'argent se rapproche pour moi d'une sorte de manipulation. Et pour Marlène, je vois davantage la séduction pour le plaisir. Parce que je pense qu'elle voulait séduire. Oui, alors, ah oui, à ce propos, il y avait une chose amusante, une citation que je voulais dire, mais je pense qu'elle ne cherchait à séduire que les hommes qui lui plaisaient. Donc là, c'est une autre démarche. Absolument, c'est pas. Il fallait qu'elle soit d'abord séduite par un homme, par son intelligence, par son charisme, par ce qu'il représentait, enfin, surtout, elle aimait les hommes intelligents et créatifs, les artistes. Elle avait une grande passion pour Hemingway, elle avait une passion pour Orson Welles, pour Joseph von Sternberg, pour tous ces hommes-là. Et, il y a plusieurs journalistes. Alors comment la décrire? Parce que vous savez que Marlène, elle aimait séduire aussi les femmes, parce qu'elle aimait les femmes. Et elle a séduit plus d'une femme. Et d'ailleurs, il y avait une sorte de rivalité avec Greta Garbo, et dans la pièce, à un moment donné, moi je m'amuse à lui faire dire... dans une conversation avec Mae West, où elles évoquent Greta Garbo, parce que Mae West était aussi une copine de Marlène. Alors ça m'a intriguée, et en fait c'est parce qu'elles étaient toutes les deux très amoureuses des hommes et du sexe, et qu'il n'y avait aucune hypocrisie chez elles. Et Marlène disait, oui, je sais Garbo, elle m'en veut énormément, parce que je lui ai piqué son amant, c'était John Gilbert. Et Mae West lui dit, oui, mais sa maîtresse aussi. Et, oui, d'accord, sa maîtresse aussi. Voilà, donc Marlène avait un besoin de séduire qui était assez dans une démarche... en fait, sa religion, c'était l'amour. En fait, c'est ça. Et c'est ça, moi, qui, je trouve, la différencie des autres séductrices qui recherchent le pouvoir par l'argent, par la position sociale. Elle, tout ce qu'elle cherchait, c'était l'amour. Véritablement. Donc ça la positionne un tout petit peu différemment. Et j'aime assez la position qu'elle prend par rapport à l'amour. Mais alors, effectivement, on peut se poser la question, mais c'est une séductrice intempestive, comme on dit, je cherche un autre mot, compulsive. Voilà, intempestive et compulsive. Compulsive, parce que pratiquement tous ses partenaires de l'écran ont été ses amants. Il y en a très très peu qui ont résisté à Marlène.
Alors, une bonobo assez sophistiquée. D'ailleurs, dans un film qui s'appelle Blonde Vénus, elle est déguisée en grand singe. Ah oui. Donc là, il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est pas pour. C'est pas hasard. C'est une donjon. Et je tombe d'ailleurs sur une phrase, puisque vous disiez une phrase qu'elle a prononcée. Donc quand les lumières se rallument, la salle tremble sous les applaudissements. Ils viennent d'assister au film où elle joue Lola Lola, c'est ça? Oui, dans l'Ange Bleu. Dans l'Ange Bleu. Donc elle y incarne un Lola Lola, la chanteuse en voûte ruine et réduite à l'état de pantin en qu'il demeure. Donc l'homme qu'elle a séduit, la séduction, la joie, la victoire de la vie sur la mort sont déjà du côté de Marlène, de l'imagination et de la créativité. Quand les lumières se rallument, la salle tremble sous les applaudissements. La dernière scène du film appartient à Jannings. On prononce comme ça? Mais Jannings. Jannings. Mais c'est pas lui que l'on ovationne. La voix de Lola Lola, la starlette de l'Ange Bleu, résonne encore dans l'esprit des spectateurs. De la tête aux pieds, je suis faite pour l'amour. Absolument. Ben voilà, ça résume assez bien Marlène. Et, enfin, ça, c'est son personnage. Mais effectivement, quand vous interprétez les personnages, on vous identifie souvent. Oui. Avec les rôles que vous jouez. Si vous jouez des femmes fatales, on vous prend pour une femme fatale. Mais alors, Marlène avait une partie d'elle qui était assez fatale, à ceux qui l'aimaient. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'elle faisait tout pour séduire les hommes qui lui plaisaient, mais ils tombaient éperdument amoureux d'elle. Et ils étaient perdus, comme dans éperdument. Parce que Marlène, elle disait une chose très drôle, elle disait mais les hommes, ils sont si différents. Pourquoi se contenter d'un seul? Donc voilà, elle avait une appétence pour découvrir les hommes dans dans tous leurs aspects, et forcément dans l'aspect le plus, comment on va dire, le plus complet, parce que dans l'amour et dans l'acte sexuel, dans l'acte de faire l'amour, il y a cette fusion incomparable qui est la recherche de l'unité. Enfin, on est tous en train de chercher cet absolu dans l'amour. Donc je pense qu'il y a d'abord la partie de la conquête, se faire désirer, devenir irrésistible. Et d'ailleurs là-dedans, je crois qu'il y a, moi j'aime à penser qu'il y a une certaine part d'innocence au départ. Et peut-être de manque de confiance en soi, et qu'elle avait besoin de ça justement pour se connaître mieux et pour s'affirmer. Alors, il y avait Éric Maria Remarque, qui était un de ses amants sans étreinte, on va dire, qui disait d'elle, son visage est extraordinaire, parce que c'est un visage qui est lumineux, qui est disponible, et qui reflète justement cette disponibilité qui permet à tous les hommes de projeter leurs fantasmes, leurs désirs, et tout ce qu'ils ont envie d'imaginer dans cette union avec la femme idéale. Et alors...